j'avais à dire. Je ne me suis pas levée comme ça parce que la personne me manque trop pour parler d'elle. Parce que cette personne n'a jamais existé pour moi. Voilà. Donc, raison pour laquelle vous avez entendu ça. Et certaines personnes disent, pourquoi depuis lors, c'est maintenant que je vais parler. Mais parce que je prenais mon temps. Le mensonge, elle est toujours pressée. La vérité prend son temps. C'est le vrai point qui est là. Et j'ai eu une occasion, je vais dire. Parce que depuis que j'ai fait le deuxième bébé, je n'étais même pas prête à parler, même dans un média, parce que je n'étais pas encore prête à revenir en tout. Et Aylor a tellement insisté que voilà, j'ai accepté. Et vous avez vu ce que vous avez entendu. Donc, voilà. Je ne suis pas parlant de quelqu'un. Je suis maman de deux enfants maintenant. Donc à un moment donné, il faut que le respect doit s'établir. Il n'y aura pas d'injure sur mon direct. C'est pas mon fort ça. Il n'y aura pas d'injure, il n'y aura pas de grossièreté. Je vais juste apporter quelques petites précisions. Et puis on va boucler ce chapitre-là. Et on va laisser le sort décider. On va laisser Dieu maintenant agir. Voilà. Donc, ce direct là même là, je vais même pas faire peut-être plus de 15 minutes. Je vais même pas durer. Donc, je sais pas qui blague à Joie. Je sais pas qui a blagué à Joie. Quand tu regardes ses yeux revolver là. C'est toi, il y a les toucher pour faire sortir son. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ouah. Ou bien c'est le fou qui se prend pour le boss. Aïe, ouais. On peut être illuminé à ce point. C'est-à-dire qu'on peut se perdre comme ça. Tu n'as pas revenu sur terre. Il y a l'impression que tu planes. Ou bien ton livreur, il met un peu de ketchup dans le mouvement que tu prends là. Tiens, faut revenir sur terre. Qui te voit même? Tu n'existes même pas, Adwa. Tu n'existes pas. Si on ne m'a pas contacté pour une interview, là, voilà que tu n'existes pas, tu n'as jamais existé. C'est ce que j'ai dit, Adwa. Tu te fais trop de films dans la tête. C'est que tu es d'un monde. Je ne sais pas si c'est Benjamin. Je sais, en tout cas, tu es d'un monde, tu es d'un film. Ça fait pratiquement un an, bien compté, qu'il n'y a pas fait sortir un seul son. Un seul son, il n'y a pas fait sortir depuis. Ça fait bientôt un an. Un an, il n'y a même pas chanté. Mais quand il vient sur ma page, là, oh, oh, les j'aime, là, ça veut se casser. Pour quelqu'un qui ne chante pas, même. Il ne chante pas. Et puis, page dans sa bouche. Sans buzz. Voilà. Tu viens sur ma page, ça fait un an, je ne chante pas. Mais quand je poste une photo, là, ça va se casser. Sans montrer mon cuir. Sans montrer mes intestins grêles. On dit que c'est Dieu donné. Donc vraiment, je ne sais pas qui t'a blagué, qui t'a dit que quoi, je ne sais pas. Mais mamie, Adwa, pardon, réveille-toi. Il faut te réveiller. Ben, tu ne comptes pas même. Faut te réveiller, tu comptes pas même.